Attends là nous. Voilà la queue qu'il faut faire pour aller à Prisma. Vraiment franchement. Voilà, on arrive en Guadeloupe. Voilà, coucou les filles, donc me voilà pour une deuxième vidéo. Donc en fin de compte, je vais refaire l'autre vidéo et je vais faire un petit mélange. Donc la vidéo que j'ai effacée, il va manquer un truc dedans, deux trucs dedans. Donc c'est une suite de haul concernant la Guadeloupe et Paris depuis mon retour. Voilà, donc on va commencer par ceci. Je pense que, je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Donc c'est des sets de table qu'on a acheté en Guadeloupe. Elles sont super solides. Mais c'est pas donné, ça coûte 15,99€. Voilà. Voilà. Ce sont des sets de table à offrir. Voilà. Ensuite, ce pareo qu'on a acheté au marché à 13€ au lieu de 15€. Voilà. Parce qu'au marché, ils font leur prix. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on en a d'autres. Donc, chaque magasin fait son prix. Celui-là, à l'aéroport, elle est à 12,99€. Au marché, 12€ et quelques aussi. Dans les maisons de souvenirs aussi. Et au Carrefour d'Estrelan, elle est à 3,99€. Voilà. Donc, il y a trois couleurs différentes. Donc, chaque endroit fait son prix. Donc, on s'est fait avoir aussi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Il faut vraiment chercher. Sinon, vous vous faites avoir. Mais on saura pour la prochaine fois. Voilà. Elle est à 3,99€ chez Carrefour. C'est l'endroit qui le vend le moins cher. Ensuite, j'ai les t-shirts que je vous avais parlé. C'est-à-dire 5 t-shirts pour 20€. 5 ou 6. J'en sais rien, je ne me rappelle plus. 5 ou 6. Voilà. Donc, je vous dis si c'est 5 ou 6. 1, 2. Papy, moi, Nani. Ça fait, ouais. 5 t-shirts pour 10€. Voilà. Donc, voilà, c'est écrit dessus. Pirates des Antilles, Guadeloupe. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui aime les têtes de mort. Voilà. Ensuite, celui-là. Là, il manque le blanc. Le blanc, c'était écrit, pas ni problème aussi. Mais en blanc. Voilà. Ensuite, j'avais le bleu que vous avez vu dans le hall Guadeloupe. Sinon, on avait encore une cinquième. Voilà. En blanc. Les sacs, on les a achetés pour mettre les pareos à 1,50€. Je vous avais montré dans l'autre haul ceci, le tissu. Donc là, on a fait des nappes avec. Donc l'autre, je l'ai déjà remis. C'est pour ça que je refais la vidéo avant que je remette tous les cadeaux. Donc on a fait des nappes avec. Voilà, ça revient vraiment à moins cher d'acheter le tissu à 7,50€ le mètre. Ensuite, vous avez ceci. Ce sont des autocollants pour voiture. Donc là, j'ai ceci sur ma voiture. J'avais déjà acheté comment on appelle ça, la même chose en plus petit noir. Oui, j'ai rouge. Voilà, je l'ai en plus petit rouge et je l'ai aussi avec un papillon et une fleur. Ce sont des hibiscus, donc ça doit coûter 3 entre 3 et 5€. Et pour la voiture toujours ceci. Voilà. Ce sont des sets de table que j'ai acheté à l'aéroport, 12,99€. Voilà. Et des dessous de verre à partager en deux. Ceci, ce sont des tamarins des Aisne. Donc, c'est dommage, j'ai laissé l'autre fruit de l'autre côté. Voilà, c'est un fruit de la Guadeloupe. Ils ont transformé ça en friandise avec du sucre et du gingembre. Voilà, ça arrache la bouche quand vous le mangez. Moi, personnellement, ça me va pas, ça pique trop. Ensuite, un autre cadeau. Voilà, on commence par mon père. Voilà, il nous a donné, il m'a donné deux bibles. Je lui ai dit, j'ai déjà des bibles. Il me dit, c'est pas pour toi, c'est pour tes filles. Voilà, il m'a donné deux bibles pour mes filles. Voilà,
Le livre qui a changé le monde. Le livre qui permet de comprendre notre histoire. Le livre qui dévoile le secret de la vie. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, ce sont des Bibles. Donc, il m'en a donné deux pour les filles, une pour chacun des filles. Elles auront ça tout plus tard. Ensuite, j'ai acheté pour les filles, là, c'est dans l'avion, ceci. C'est des baumes à lèvres, des lip, baumes à lèvres, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, non pas Schweppes, Sprite, Fanta fruits, Fanta tout court. Voilà. Donc, j'ai pas pu en avoir deux. Il y a une boîte en ferraille. J'ai juste eu une. Donc, les filles vont partager. Elles auront chacune 3-3. Parce que je voulais leur donner chacune une boîte. Mais il n'y avait plus dans l'avion. Et ça coûtait 12 euros. Ensuite, je vais continuer avec... Qu'est-ce que j'ai avec... Ah oui. Voilà. Cette montre voilà, que j'ai eue dans l'avion. Voilà. Donc, tout le monde connaît cette montre. Voilà. Elle coûtait 47 euros dans l'avion et on l'a eu pour moins 20 euros. Quand vous dépassez 100 euros d'achat dans l'avion, il vous retire 20 euros. Donc du coup, la montre, on l'a eu à 27 euros. Ensuite, quelque chose aussi que je voulais vous montrer, que j'adore. C'est dommage que je ne trouve pas l'emballage qui allait avec. C'est vraiment dommage. J'ai dû la jeter puisque la vidéo je l'avais fait hier et puis je l'ai effacée sans faire attention. Voilà. Je vais commencer par vous montrer ça. Ceci. Voilà. Voilà. Voilà, c'est... Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du morse. Morse. Voilà. Voilà. C'est dommage, le bout de papier, je vous expliquais... Vraiment, l'idée du gars qui l'a inventé. C'est un bracelet, un plaqué or, voilà, qui, la signification en morse avec les bijoux et les espaces, ça veut dire, vous, I love you, je t'aime. Elle est super jolie. Je ne sais pas s'ils vendent ça ailleurs, mais on l'a acheté dans l'avion. Voilà. Elle est super jolie, franchement, c'est de la balle. Et, bon, elle vaut 75 euros. Voilà, donc je ne trouve pas le petit papier qui va avec. Si je la retrouve, j'en parlerai. Ben, sinon, franchement, elle est jolie. Et c'est Buckley qui fait ça. Non, vous n'arrivez pas à lire là-dessus. But. Voilà. Voilà la marque. Voilà. C'est je t'aime écrit en mœurs. Franchement, elle est super jolie. C'est du plaqué or. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour l'avion. On va passer après l'avion. Ce que j'ai acheté à Paris. Voilà. J'ai acheté cette brosse pour moi. Je l'avais déjà, sauf que ma fille me l'a piquée. Lorraine, Bibi. Voilà. Je l'ai acheté à Saint-Denis pour une valeur de 5,90 €. C'est là-bas qu'ils le vendent le moins cher. Voilà. Ma fille, elle a le violet déjà. Et j'ai pris le violet pâle rose pour la grande. Voilà. C'est ma cousine qui a payé celui-là pour la grande. Sinon, j'ai été chercher. Je n'ai pris que deux parce que j'ai fait une dépense que ce n'était pas prévu. Voilà. Activilon, le gel d'Activilon. Allez à la l'eau et verra. Voilà. J'ai du mal à prononcer. Voilà. Franchement, j'adore ce gel. Et ça hydrate bien la tête. C'est pour cheveux crépus. Franchement, il faut essayer. Ça laisse des résidus des fois. Mais je tamponne de temps en temps. Et ça le fait. Le lendemain, vous passez juste de l'eau. Et le truc, il est toujours là. Donc, voilà. C'est tout que j'ai. Et voilà.
avant de parler de ça, pour ceux qui s'y connaissent, vous devez penser c'est quoi qu'il y a là-dedans. Voilà. Je voulais m'acheter des mèches, des rajouts du moins, et je me suis acheté une perruque. Et c'est la première fois que je vais mettre une perruque, à part quand j'étais jeune, que je jouais dans les perruques de ma mère. Je ne sais pas si je saurais le mettre. C'est ma cousine qui m'a aidé à choisir. Il ne faut pas que je casse tout parce que voilà, je ne suis pas douce. Voilà. J'ai acheté une perruque. Donc, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà ce que je me suis acheté. Elle est tout douce, elle est naturelle. Voilà. Je vais voir ce que vous voyez. Voilà ce que je me suis acheté. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera quand je vais le mettre. Et elle coûtait cher, 54,99 €. Voilà. Une perruque. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est super doux. Hein? C'est la seule qui m'a l'air, entre parenthèses, que j'aime bien les cheveux ondulés. Voilà. Et ma cousine, comme j'avais fait des dépenses, je ne voulais pas acheter le produit qu'elle avait, parce que moi, c'est bon. Elle m'a offert ceci. Donc, je ne sais pas combien elle a payé. Donc, je ne peux pas vous dire le prix parce que c'est pour l'entretenir, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, elle a l'habitude de mettre des perruques, moi non. Et aussi, elle m'a fait acheter ceci. Voilà. Pour mettre au fond. Sur la tête. Il y en a deux dedans. Pour 1,99 €. Ça, c'est moi qui l'ai acheté. 1,99 €. Il y en avait deux dedans. Voilà. Dans le magasin qui se trouve à Saint-Denis. Voilà le sachet. Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose avec le magasin. www.slickair.fr. Voilà. C'est dans ce magasin qu'on l'a acheté. www.slickair.fr. Par contre, chez eux, ceci, je l'ai payé 7,99 €, un truc comme ça. J'étais pressée, on n'avait pas le temps d'aller dans les autres magasins parce que c'était dimanche et les magasins fermés. Par contre, dans les autres magasins, ils sont à 5 € et quelques. Donc, chez Slick, il est plus cher. Voilà. Il faut comparer les prix parce que quand même, à 2 € près, j'aurais bien voulu l'acheter ailleurs. Mais heureusement, j'ai pris que 2. Ça évite que je pleure pour ceci. Voilà. Donc, ah oui, je continue encore. Excusez-moi. Voilà. Bon. Ça, de toute manière, vous allez tous y passer. Ma mère m'a offert ceci, bac de nettoyage pour les appareils dentaires. Voilà. Franchement, c'est pas de l'amour, mais c'est la vie. Si vous avez une grand-mère, une tante, vous-même, voilà. 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 Il y a dedans des comprimés effervescents pour l'appareil dentaire. Et voilà. Je sais pas combien l'a acheté. C'est pas de l'amour, mais c'est la vie, les filles. On y passe tous par là. Ensuite, ce que je déteste plus dans les halls, c'est que après vous salissez tout. Et c'est un peu pénible. J'ai acheté des parfums à Paris aussi. Ça, j'ai acheté ça à l'aéroport d'Orly Ouest. Voilà. Je vais l'ouvrir devant vous pour une valeur de 35,99 € seulement. Voilà. 35,99 € seulement. Enfin, seulement. C'est quand même du 50 ml. Voilà. Comme je partais en vacances, j'en ai pas pris plus. J'en ai pris qu'une parce que franchement, voilà. J'avais déjà dépensé avant. Voilà. Elle est super jolie. Ça sent rien du tout parce qu'elle est fermée. Elle est jolie, hein. Donc, c'est Nina Ricci Paris. Le parfum. Donc, j'ai un nouveau bébé dans la collection. Parce que j'aime pas trop payer cher. Mes deux parfums préférés normalement, c'est Miss Dior Chérie qui n'existe plus. Et Magie Noire.
Mais je teste les autres parfums. J'ai Gautier, j'ai le type de Ricole, j'ai Miss Dior tout court que j'ai eu il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire. Et celui-ci que je me suis offert. Qui sent très bon. La vie, c'est juste une question de goût. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas, les filles. Ensuite, j'ai trouvé deux bébés. Voilà. Ce sont des parfums. Donc, je vous montre le sac. Le sac. Attends. Voilà le sac. Voilà la marque. Donc, ça se trouve qu'il y en a qui connaissent, mais moi, je ne connais pas du tout. Voilà. Voilà la marque. Voilà. Donc, je reste un petit peu dessus. Voilà, que vous ayez le temps de voir. Sinon, je voulais aller à Primark, pas à Créteil, mais à Villepinte, je sais pas, je me rappelle plus le nom du centre commercial. Franchement, faire une heure de queue pour rentrer dans un magasin, nada. Surtout qu'on débutait les vacances, on allait partir aux Antilles. Donc on n'est pas rentré chez Primark, mais j'ai quand même trouvé ceci. Donc ce sont des dupes, j'en sais rien, des imitations, je ne sais pas. Il y a plein de parfums. Donc c'était un stand qui se trouvait en plein dans le centre de ce supermarché. Il va falloir que j'appelle ma copine pour lui demander le nom du centre. Donc je le mettrai en barre d'infos. Franchement, celui-là, donc je le mélange, c'est le numéro 100. Donc, on va mettre un petit peu ici. Bon. Le numéro 100, ça sent quoi? C'est un parfum épicé. Voilà. C'est le nom du parfum, c'est le numéro 100 épicé. Le concept de ce parfum, ça coûte quand même celui-là, la bouteille moyenne, ça coûte 15 euros et quelques. Il y en a une plus petite ici qui coûte entre 9 et 11 euros, si je ne me trompe pas. Et il y a la grande à 25 euros. Quand vous videz votre parfum, vous ramenez la bouteille et si vous reprenez, vous payez 2 euros en moins. Voilà. Donc, j'arrive pas à lire le nom du parfum. Équivalent de ça. Za. Donc, c'est le nom de la société, je pense, qui fait ces parfums-là. Donc, franchement, il y avait plusieurs parfums. J'ai senti le premier, c'est celui-là. Donc, j'ai dit à la dame, ok. Et j'ai juste demandé par hasard s'ils avaient l'équivalent du parfum Miss Dior Chérie. Et ils m'ont donné. Voilà. Je vais remettre sous moi parce que je l'adore. Le numéro. Voilà. J'ai mis trop. Ah, je le gaspille. Faut pas le sentir trop fort, ça fait mal au nez quand vous sentez le parfum trop fort. On attend. Voilà, ça sent trop bon. Voilà, ça sent, voilà, mon Miss Dior Chérie que j'aimais qui a disparu. Et ça sent bon, hein. Franchement, 15 euros, ça vaut le coup. Donc je sais pas s'ils seront toujours là, j'ai pas encore tapé sur internet si ils ont un site ou pas. Voilà. Mais franchement, voilà. J'ai envie de manger ma peau. Ça sent Miss Dior Chérie qui a disparu parce qu'ils font plus de Miss Dior Chérie. C'est Miss Dior le parfum et ça s'arrête là. Voilà les filles et c'est le numéro 165. Voilà. Elles sont. Voilà. Ça sent super bon. Donc franchement, voilà, c'est vrai qu'on met beaucoup d'argent dans les parfums, les vrais parfums. Moi en général, je les achète très rarement au prix fort. Parce que j'utilise mon pasteurisme, on me retire 30% dessus. Et j'ai une copine qui peut aussi retirer moins 40 deux fois par année. Donc je choisis plus des palettes que des parfums, puisque j'ai la possibilité avec mon pasteurisme de prendre des parfums, mais pas les palettes. Ça dépend des magasins. Donc voilà, voilà. Donc voilà.
de ces 50 ml qui sont là-dedans pour 15 euros. Voilà les filles, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je pense que je vous ai montré tout. Donc cette vidéo, je pense que je vais la rajouter dans une vidéo que je ferai début Guadeloupe, fin Guadeloupe, voilà. Puisque tout concerne la Guadeloupe. En tout cas la Guadeloupe et voilà. On va arrêter là parce que je dis des bêtises. Donc sur ce les filles, peut-être la prochaine fois vous me verrez avec ma perruque. Si j'arrive à la mettre, parce que là, ça craint. Voilà, mais c'est super doux. Hein. Voilà, voilà. Merci et à bientôt. Salut. Et PS, j'ai oublié quelque chose. Bisous à Mélissa Méli Botti, que j'ai rencontré par hasard en Guadeloupe. Vraiment ce qu'on appelle le hasard. Et donc, ma chérie, je suis très contente de t'avoir rencontré par hasard. Sur ce, bisous à tous. Salut !